Aujourd'hui, on va parler du stade Dortmund et de la Deuxième Guerre mondiale, puisque une bombe est située au-dessous du stade. Les gars, vous imaginez là? Là, j'aurais pu poser comme question, est-ce qu'il y aurait un spectacle de prévu pour ça? Et ouais, c'est le dernier but de la première mi-temps, alors on peut féliciter. Attends, il y a une bombe là? Tu veux que je te chope les seins? Non, putain, on va tout de suite arrêter les conneries, hein? Moi, je me barre d'ici. Attends, la bonasse vient d'exploser comme une bombe. La bombe est à côté de moi. What the fuck is that shit? Et ensuite, nous avons une auteure qui écrit un livre avec son pied gauche. Alors souvent, ce sont les meilleures histoires de la planète, puisque au moins, on se part de votre gueule. Ça y est, j'ai reçu mon livre. Maintenant, je vais pouvoir me masturber dessus. C'est beau trop excitant. Il me faut chier. Bonjour, asseyez-vous et prenez une nouvelle page puisqu'on va débuter une nouvelle leçon sur un livre qui s'appelle... Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un livre. Et donc, vous allez prendre la page... Oh putain, ça m'énerve. Pourquoi tous ces mots ne vont rien dire? Excusez-moi, c'est pas grave, calmez-vous. Si vous regardez bien la ligne, eh bien, vous pouvez vous apercevoir que l'auteur a essayé de dire qu'il avait des chaussettes sales et qu'il avait un corps marron. Attends, il avait un corps marron? Ça veut dire que cette tasse des Looney Tunes... Attends, cette tasse... Ah putain, il y a de la graisse partout. Prenez une nouvelle page, puisqu'on va débuter une nouvelle leçon sur un livre qui s'appelle Les Misérables. Parce que là, sinon, il y aura plein de graisse, il y aura une invasion de graisse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, vous pouvez la partager à tous vos potes, à tous vos copines, à tous vos meufs, à tous vos plans cul, à tous vos... Mais vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ça, c'est moins important, mais c'est important quand même. Allez, salut à tous et...